Oh, as-tu été sage cette année? As-tu fait beaucoup de six-packs, de tristar? J'ai quand même un doute. On va vérifier tout ça. Salut à tous, très content de vous retrouver pour parler du nouveau skin du roi pour le passe or décembre, le Père Royal. Voilà, vous en doutez, il ressemble au Père Noël, il est habillé en Père Noël et on va voir tout ça en gameplay évidemment. Je vous te rappelle que si tu veux avoir toute l'information sur la mise à jour de décembre, l'énorme mise à jour qui va arriver dans quelques jours, n'hésite pas à t'abonner, à déclencher, l'activer la cloche pour ne rien rater. La team KJB va décrypter toute cette match tech, tous les détails. Et en même temps, bah écoute, si tu aimes ce que je fais auprès de toi et auprès de toute la communauté francophone Clash of Clans, alors n'hésite pas à rentrer mon code créateur sur Clash of Clans. Bisous à tous ceux qui le feront. Et n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord car chaque mois j'offre un pass or et donc le pass or de décembre sera en jeu dès demain. Alors rejoins mon serveur Discord, discord.gouloulou.yt. Allez, on va voir à quoi ressemble le Père Noël, ou plutôt le barbare déguisé en Père Noël. Voilà, on va zoomer dessus. On est en décembre, c'est la thématique, hein, c'est Noël, la magie, les fêtes de fin d'année, donc il était, à mon avis, attendu qu'il soit habillé en Père Noël avec des cornes de cerf, le rouge qui rappelle le Père Noël. On voit ici que quand on le touche, il y a une animation avec les flocons de neige, c'est assez sympa. Voilà, donc quand il bouge après, il a vraiment toujours la démarche du roi, évidemment, il y a les habits qui changent, je trouve le roi assez sympa avec ses habits, mais pour moi, c'est pas vraiment le plus beau. Mais après, c'est mon avis, hein, c'est mon avis. On verra, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de ce roi Père Noël. Beau, pas beau, et puis lequel est votre préféré? Une dernière petite animation, quand on le met en mode protégé, voilà, dormir si vous voulez, ou quand il récupère ses points de vie, bah écoutez, voilà, il se met dans cette position avec une petite animation flocon de neige, c'est assez sympa, je trouve, bah on est vraiment dans la thématique de Noël. Allez, un petit gameplay pour vous montrer un petit peu son déhanché, oup, à gauche à droite de ce barbare. Voilà, n'attendez pas un perf, hein, je vous le dis immédiatement, tout de suite, hein, c'est juste histoire de voir un petit peu sa petite démarche. Regardez, là, je viens de le déposer, il y a deux dragues dans le château de clan, voilà. Alors, n'attendez pas un perf encore une fois, mais juste histoire de vous montrer comment il marche. Et puis, on va voir un petit peu quand il est assommé, hein, à quoi il ressemble ce roi des barbares. Donc on va voir un petit peu. Donc je pense que certains l'ont été la dernière fois puisqu'ils s'attendaient à un skin du grand gardien qui n'a eu qu'un skin jusqu'à présent. Et beaucoup attendent, mais je pense que là c'est vrai que les habits de Père Noël allaient plus avec le barbare, d'autant plus que le barbare est débloquable à partir de l'HDV 7. Donc voilà, ça touchera beaucoup plus de monde que si c'était le skin du grand gardien. Donc là honnêtement je suis un petit peu de côté de Supercell. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vouliez plus un skin gardien, grand gardien, ou plutôt le roi? Donc voilà, on va zoomer dessus, voilà, et regardez quand il est assommé, il met sa main sur la tête, oui j'ai mal, il est assis, ah c'est sympa, on voit bien, il est assis avec la main par terre et l'autre sur la tête, et la petite animation flocon de neige, voilà, vraiment très très bien réussi, pas aussi belle que le roi squelette, l'animation, c'est ma préférée, mais en tout cas, voilà, c'est réussi. Voilà ce qu'on peut dire sur ce skin, alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les infos de la mise à jour qui arrive ce décembre, énorme mise à jour qu'on va décrypter avec l'équipe KGB. Bisous à tous, à très bientôt et passez un excellent week-end. Ciao!